one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lost de la Test for You. Comment allez-vous? Écoutez-moi, je vais super bien. Et oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix. Ça fait quand même un petit temps de retard de 3 mois, oui. ça commence à faire un peu long. Je vais m'expliquer déjà par rapport à ça. Ces temps-ci, j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos. Parce que j'ai ma chaîne principale, donc Lost, Dark Lost, où je fais des edits de Call of Duty, mais j'ai décidé pour le moment d'arrêter les edits de Call of Duty et passer au gameplay, etc. sur la Test for You. Parce que mon PC il est en train de complètement de perdre la vie, devrais-je dire. Il est en train de mourir. Et en fait, je vais avoir un nouveau PC dans un mois et demi. Ce qui compense, c'est que je pourrais faire des gameplays sur Oblivion, etc., qui prend pas trop de ressources, etc., donc bon, c'est nickel. La dernière fois, on s'était arrêté ici, donc en temple des maîtres et des nuages, donc on est avec notre magnifique Argonien, voilà. Donc on s'était arrêté ici parce que, on avait trouvé les 4 Mysterium Xarces, pardon, donc c'est qui sont les livres de l'aube mythique, voilà. Donc alors, écoutez, on va rentrer, on va voir les quêtes, qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors hop, on va ici. J'ai en ma possession le 4e et dernier volume écrit de Manka Kamal, le Mysterium Xarces. Je devais trouver le sanctuaire de la mythique et que pour m'aider. Non, ça c'est fait, ça c'est. J'ai en ma possession. Ok, bon bah go. Carte. Donc du coup, on va aller voir Tamrenna à l'université Arcane, donc elle qui nous dira plus d'informations sur les Mysterium Xarces. Donc les Mysterium Xarces, hein, qui sont des livres écrits par Mankar Kamoran, donc qui est un peu, on va dire, le méchant du jeu, si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment le méchant du jeu, vous allez bien voir, de toute façon, si vous suivez. Vous pouvez voir aussi que les graphismes sont un peu plus beaux que la dernière fois, si je me trompe pas. Hop, alors... C'est parti, on rentre, voilà, donc c'est elle, Tamrenna. Que puis-je pour vous? Ouais. Que puis-je pour vous? Mystère Xarces. Le livre sacré de l'aube, s'il existe vraiment. Voilà, donc là on va parler de Mankar Kamoran. Le chef supposé du culte de l'aube mythique. Il a écrit les fameux commentaires sur le... Les commentaires remontent à l'époque de Tibère Septime, il y a plus de 400 ans. Ouais, donc pour trouver vous lire, le sanctuaire secret de Mérune Dagon, vous devez dans ce type de culte ésotérique. Les auteurs vous avez éveillé, revenez demain. Voilà. Alors. Je continuerai d'étudier. Mankar Kamoran a caché un message dans les écrits afin que seuls les éclairs puissent rejoindre l'homme mythique. Puissent rejoindre l'homme mythique, il faut que je continue à étudier ces livres. Voilà, donc il faut continuer à étudier ces livres, mais j'ai décidé de lâcher un peu l'histoire principale pour le moment, et de faire un peu les quêtes secondaires, donc ce qu'on appelle les quêtes secondaires, donc c'est pas compliqué à comprendre, hein. Ce sont des quêtes secondaires, donc on va un peu explorer tout le monde un peu, pour vous faire voir comment... Comment il fait un peu Oblivion. On va pas principalement se baser sur la quête principale parce que ça va être ennuyeux pour vous finalement. Parce qu'il y aura pas vraiment. En plus, moi je connais le jeu. J'ai pas forcément fait toutes les quêtes secondaires. C'est ça qui va être intéressant parce que. On dit un walkthrough, mais sur la quête secondaire, c'est pas vraiment un walkthrough parce qu'on va dire que j'ai pas vraiment fait toutes les quêtes secondaires partout. Pardon. Et que les quêtes secondaires, en fait, il y en a des centaines, voire des. Des centaines. Ouais. À peu près une bonne centaine de quêtes secondaires, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher un cheval, hop, et on va un peu explorer ce monde, donc la province de Cyrodiil, hein, qui est au sud de Skyrim. Voilà, alors là on a les chevaux normalement, voilà, que je parle à lui, je suppose. Oui, Restita Statlilia, je travaille à l'écurie du cheval Alzo. T'es belle, toi. Vous n'auriez... C'est pas elle qu'il faut demander, du coup. Vous aussi. On va rentrer.
Je vais m'acheter un cheval, comme ça on pourra se déplacer beaucoup plus rapidement. Alors, il n'y a personne ici? Bon. Est-ce qu'on avait un cheval? Peut-être qu'on avait un cheval, je sais pas. Cheval blanc. J'ai entendu d'autres personnes dire la même chose. Je vais t'acheter. Vous avez des nouvelles des autres provinces? J'ai cru comprendre. Je suis Briellus Gab. Ils ne vendent pas de chevaux. Vous aussi. J'attends. Oula. Bon. Laissez-moi tranquille. Ils sont pas très accueillants. Est-ce qu'ils me voient là? Oui, il me voit. Bon. Comment je vais faire? Cheval noir, il m'intéresse, sûr. On va faire une sauvegarde rapide quand même. Sauvegarde rapide. Voilà, donc F5. Voleur, bon bah. Vous en tirerez pas comme et ça. Là on va se casser. Putain, c'est chaud. C'est fini. Tout. Allez, alors fuck. Moi je dis fuck les gardes et on va à l'aventure. Allez, c'est parti. On va les semer de toute façon. Oula, la chute d'FPS, désolé. Zone de chargement. Voilà pourquoi il y a la chute de FPS. Voilà la brume. Hein. Il me suit toujours, ça a l'air. Grotte de vous avez trouvé grotte de machin. C'est-à-dire qu'on a déjà découvert une grotte. Voilà, donc là un marqueur se met en fait quand on découvre des endroits, mais il y en a des centaines hein, partout, c'est un truc de fou. À chaque fois qu'on fait 2-3 pas, on trouve une. Quelque chose quoi, une grotte, une cité, une. Enfin, plein de trucs. Donc là, on est obligé de passer par là. Donc en fait, il faut que je retourne en arrière. Ou alors, on veut visiter la grotte, je sais pas. Attendez, parce que moi, j'ai. Difficulté 1%, peut-être pas, on va mettre 50%. Voilà, on va avoir même 60. 55, allez, on va compenser entre les deux. Voilà, donc l'aventure se déroule en 55% à peu près. Parce que si je mets trop, bah ça va être chiant pour vous parce que je vais arrêter de crever. Et donc on va visiter cette grotte ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants devant? On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pomme. Pomme. Miam. Bien. Maman. Pas trop de charge. Bon bah mon pote. Mon coco. Altération d'intelligence. Ah tu sais. Bois la bière. Bon bah voilà. Notre petit argonien est totalement bourré. Par contre non, ça le fait pas, je vais pas explorer tout de suite parce que si je découvre des choses, je pourrais pas les prendre parce que je suis trop chargé. Qu'est-ce qu'il fout à se barrer ce ton. Voilà, donc, alors, on va vendre tous nos objets qui servent à rien, parce que c'est vrai qu'on a plein de trucs qui servent à rien. Mode de cuir grossier. On a foutu ça, cuir de. Ouais, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ah oui, mais du coup, les gardes, ils voudront me mettre en prison, dès qu'ils me verront dans la ville. Parce que j'ai volé un cheval. Comment on va faire? Eh ben écoutez, soit on va aller en prison, ou soit on va payer l'amende, hein. On va voir. Parce qu'en fait, quand vous volez, ou... comment dire? Qu'y a-t-il, citoyen? Je suis tout oui, citoyen. Ils ont strictement rien à foutre. Bon bah tant mieux. En fait, normalement, quand vous volez ou tuez quelqu'un devant les gardes, en fait, vous avez une sorte de prime qui s'ajoute à la ville. Et normalement, dès que vous revenez dans cette ville, tous les gardes vous attaquent en disant vous avez enfreint la loi, vous devez payer une amende, aller en prison ou résister à l'arrestation. Bonjour. Et c'est comme ça que. Alors lui, on va lui vendre toutes les bières. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Et hop. 3. 8. Hop. Ensuite, la chair de crabe. J'en ai strictement rien à foutre. Ça fait un peu d'or, ça fait que dalle d'or, mais bon.
C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Hop, les écailles. Hop, miche de pain. Des pommes. Des pommes. Des pommes. Hop, on va vendre. Touk. Viande de rat. Hop, c'est encore. Excellente transaction. Je sais, je sais, je sais. Merci, vous êtes ici. Je sais, je sais. Et voilà, en fait, si vous voulez, plus on vend de choses plus chères aux commerçants, mieux. Mais vous aurez de. Comment dire, de. Mieux ils vous verront bon acheteur, quoi, si vous voulez. Ils vous aimeront bien, quoi. Donc, du coup, vous pouvez faire des offres en leur proposant de faire des offres. Il voudra bien aider mes enfants. Vous... Voilà une pièce, quoi. Je suis. Anu vous bénisse. Anu. Je suis très généreux, je suis très généreux. Anu. Tiber Septim Hotel. Ce qu'on va faire, c'est que... Regardez la carte locale, un peu. Hop, maison, maison. Ça va être intéressant aussi, les maisons, pour voler des objets. Vous allez voir après comment on va les revendre, les objets volés. En allant à la guilde des voleurs. Bon, je sais pas si je ferai une guilde pour le moment. Peut-être, parce que si je... Comment dire... Vole des objets, je veux la revendre, ça serait plutôt utile. Marché. Essayer de trouver un marché pour refourguer des objets qui me servent à rien dans mon inventaire pour les vider et me faire de l'or en même temps. Hop, dépêche-toi, trou de balle. Voilà. C'est souvent intéressant de parler aux gens aussi parce que des fois c'est comme ça qu'on a des quêtes secondaires tout simplement. Alors, first edition. Oula. Quand ils courent comme ça, ça veut dire qu'ils veulent quelque chose. Pourquoi tu cours, toi? Why you courir? Pirate vous salue. D'accord. Adieu. C'est un plaisir de vous voir. Je sais pas pourquoi il court. Il y a le rouge garde aussi, c'est mec. Vous. Salut. Je m'appelle Jair. Un pickpocket. Mec, il dit que c'est un pickpocket, tu sais. Prenez soin de vous. Salut, je suis un pickpocket. Ça va? Bon, bref. On va rentrer dans First Edition où est-ce qu'on a acheté le. Un des mestirems, oui. Ça, si je me trompe pas. Il n'y a que des articles de qualité ici. Et moi, je vais t'en vendre. Vous offrir. Donc, peut-être pas vendre les mestirems, Sarces. Notagunga, ce qui vaut rien. En fait, j'ai que dalle. J'ai que des trucs que je vais garder. Camélon, ça peut être. Et ça, je m'en fous, mais complètement. Vous êtes très dur en. Alors, complètement. Vous avez gagné une belle somme. Oh, puis merde, ça porte rien comme point. Fuck. Bonjour. Où est-ce qu'on va trouver. Je sais si je. Le ventre bien rempli. On va aller voir. Je sais si je me perds un peu, mais ça fait quand même un bon moment que j'ai pas joué. Quel marché pouvons-nous. Bah, plus de 3 mois déjà. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises. Voilà. Là, on va pouvoir leur fourguer des trucs. Épée de fer rouillé. Non. Alors ça, on va le vendre à quelque part d'autre. Flèche de fer. Hache de guerre en acier. Ça prend du poids quand même. Fortification intelligence. Ça déjà. D'abord. Hop. Je suis un galon d'or, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. De le mythique. J'ai dit, voilà. Il y a du mal, hein, le pépère, il y a du mal. Alors. J'ai un spirituel, je garde. Ça, je m'en fous. Hop. Marteau d'apprenti, je garde. Papier d'argent, voilà. Ça, c'est les trucs comme équitable. Ça. Ça me semble être un prix juste. Du coup, je vais essayer de négocier, regardez. Quand vous faites ça, vous augmentez un peu, vous essayez, ça marche, et vous augmentez peu à peu. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait leur fourguer? Sans fait de l'acheter, ça sert à rien. Hey. Allez, ça va passer. Il va falloir me faire une meilleure offre. Ça va pas passer. Bon, on va descendre un peu. 6. Faites-moi une meilleure offre. Vas-tu fermer ta gueule, s'il te plaît? Et vas-tu accepter mon offre, s'il te plaît? Voilà.
Voilà. Ça vaut le même prix, mais il voulait pas de terre. C'est... Fuck la logique, hein, c'est... Potion de guérison. Ouais, piquette. Voilà. Hop. Un petit peu de marchandage, hein, mais bon. J'ai pas un truc du genre respirer sous l'eau qui me sert strictement à rien parce que je suis un argonien. Donc ça, je vais en vendre un parce que ça sert à rien à part les vendre. Mais les deux sont utiles donc je vais les garder. Puis courte rouillée. Bon, faire rouiller, ça sert strictement à rien. C'est un prix équitable. Et puis bah, c'est bon. J'aime quand mes clés. Oui, moi aussi je t'aime. Enfin, je crois. Alors. Touk, t'es qui toi? Je suis G. Oui, je tuais. Tu vas faire toi un richos. Au revoir. Comment il s'appelle? J'ai mis ça. Je retire. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles que ta sœur est décédée. Voilà. Voilà, on va vendre notre bâton qu'on a récupéré tout à l'heure. Hein, il est ici. Vous êtes. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Non, j'allais dire putain, il vaut déjà 1000. Et hop. Excellente transaction. Et voilà. Merci. Hop. Au revoir. Voilà. Une chose de faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc, comme je disais tout à l'heure, explorer. On va essayer de revoler un cheval. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il est mon cheval de tout à l'heure? IP. Putain, mais ils sont toujours dans l'écurie, je crois. C'est bon, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Allez, je suis trop un boss. Pardon. Donc, ça, une bonne chose de faite. Donc, je vais faire des épisodes de 20 minutes pour le moment. Donc là, ça fait déjà, ouais. Dans 5 minutes, j'arrête. Donc, on va essayer d'explorer un peu. Un peu. On va sortir de cette cité impériale. Qui ne sert strictement à rien. Attends, il faut que je vérifie un truc. Pop, 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 pop. Distance plus 100%. C'est bizarre. J'étais distance, mais oui. Tournerai-je à moins d'FPS? Et non, et c'est beaucoup plus beau comme ça. Voilà. Vous voyez, donc j'ai fait un tuto sur... ici, comment avoir un objet qui sert à respirer sous l'eau indéfiniment. Voilà, donc vous pouvez voir déjà beaucoup mieux. Alors, Brumo, Gvac... Bruma, Corolle, Schoenberg, Lerwin. On va aller vers Leyawin, vers le sud. Comme ça, ça sera mieux. J'ai des chutes FPX. Voilà, donc ça, c'est une ruine Aileide. Donc, les Aileides qu'ils ont vécu durant très très longtemps. Enfin, ça fait très très longtemps qu'ils sont plus là, mais... Par contre, j'ai enlevé l'herbe parce que ça me fait laguer et ça sert strictement à rien. Justement, ça peut... On peut avoir plus de... Comment dire? On peut découvrir plus de choses. Sans herbe. Qu'est-ce qu'il fout ce cheval? Ne me dis pas que c'est mon cheval que je cherche depuis. Cheval... Oula, non, il faut pas le voler celui-là. C'est un cheval de la légion à part. Qu'est-ce qu'il fout tout seul? I don't know. Donc là, une cité Aileide, donc normalement si on s'approche, ça va nous dire cité Aileide découverte, trollolol. Même pas? Non, allez. Ah, si. Ouais. Ah, là, la musique a changé, ça veut dire quelque chose m'attaque. Mais quoi? Ce serait pas un crabe par hasard? Allez, viens salope. Bon, mon cheval qui se barre. Super. Puis il y en a un juste là, qui est coincé comme un abruti. Bon, où est-ce que t'es, petit truc de merde, je sais même pas ce qui... D'accord.
le crabe qui bug. Présenté par Lost. Allez, je t'ai mis un coup. Et pourquoi ça... T'as pas l'impression de pas prendre, je sais pas. Ça... Allez, je t'ai niqué, biatch. Chair de crabe, waouh. Super, ça va être très utile durant cette aventure. Hop, flèche de fer. Donc là, on a découvert une ruine Aileid. Je vais les explorer plus tard, quand même, parce que... Ah, bah, il a pris son cheval, mais où est-ce qu'il s'est débarré, ce abruti ? Mon cheval. Par contre, oui, le mien. Il s'est déjà barré là-bas. Pauvre abruti de cheval. Vraiment, j'en achète un, quoi, parce que... Comme ça, il se barrera pas. En fait, il essaie de retourner, en fait, dans le jeu, si vous voulez. Il est programmé pour retourner à l'écurie. Donc, du coup, à chaque fois que je l'achèterai, il ira à l'écurie. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais aller vite m'en acheter un après. Mais c'est que ça coûte cher, donc il faut que je trouve des objets à vendre. Bref. Bref, on va explorer encore un peu et puis on va se lâcher là. Parce que sinon, le temps de rendu, il est lent. Alors. Ah, donc là, vous pouvez voir, en fait, il y a des marqueurs à chaque fois qu'on passe sur des... Et ça, tout à l'heure, on n'avait pas ces deux marqueurs-là. Celui-là, c'est la cité Aileid. Il y a des marqueurs qui se placent. Alors là, c'est un château, si je ne me trompe pas. On va découvrir encore un truc. C'est vraiment... tous les deux pas, il y a un truc à explorer, quoi. C'est énorme. Et c'est sous le sol et c'est énorme. Un loup. J'essaie de faire un truc. Si j'y arrive. Fort vertu, voilà, c'est des forts. Je cherche un loup. Nanana, je suis un chasseur. Montre-toi, bi-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 
Où est-ce qu'il y a des lits? Là, c'est Martin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, c'est de l'autre côté, logiquement. On va essayer de trouver les lits, le sein de dortoir, si on veut. Bon, du coup, je vais faire bugger les bottes. Voilà, ils sont là. Couchage. On va attendre une heure, tout simplement. Et voilà, donc là, on a augmenté le niveau. Alors, en fait, le truc à faire, c'est que vous avez donc trois caractéristiques à augmenter. Et donc, vous avez le choix entre toutes ces caractéristiques. Et vous pouvez voir les plus 3, plus 2, plus 2, plus 4, plus 5 en orange. En orange. Oh là 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 là. Je suis de l'altonien, les gars. en vert. Donc, en fait, le mieux, c'est d'augmenter. Où est-ce que vous avez le plus de points augmentés? C'est le meilleur moyen. Donc, là, agilité. Rapidité. Ce qui peut être endurance, je sais pas. Je vais peut-être prendre la force parce que j'ai, ou alors endurance parce que j'ai vraiment pas beaucoup de points d'endurance par rapport à la force. Allez, endurance. Voilà, donc là nous sommes passés niveau 2 et les points de caractéristiques se sont augmentés. Hop, niveau 2, voilà, on peut voir. Donc c'est vraiment beaucoup plus long que dans Skyrim, augmenter les niveaux. Hein. C'est extrêmement long, regardez le niveau supérieur. Talent mineur, là donc c'est tous les talents. Donc vous pouvez voir qu'en magie, niveau alchimie, invocation et tout, j'ai 0%. Discrétion, je suis assez bon. Et en athlétisme, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous avez vu, je cours tout le temps et je saute. C'est pour aller plus rapidement, puis en même temps, bah, ça nous entraîne. Parade, je suis assez bon. Ça c'est quoi? Oui, donc ça c'est les factions, donc les guildes, etc. Donc là j'ai les lames. Alors, j'ai la tenue de lame, mais je suis dans le temple des mains du nuage, donc où est-ce qu'il y a les lames. Donc là c'est toutes les stats si vous voulez. Augmentation de talent, réputation, prime. Plus grande prime, voilà pour l'instant. J'ai tué 87 créatures et 13 personnes. C'est que dalle. Taille. Ah oui, donc ça c'est le mode justement. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah, nice. Ah, c'est mieux là. Transparence. D'accord. Bon, bah, je vais un peu modifier. Hein. Quand vous serez pas là, je vais pas le faire en même temps parce que ça va être un peu chiant pour vous. Allez, c'est un petit. Pas trop petit non plus. Hein. Voilà. C'est très bien comme ça. Hop. Et bah écoutez, on se retrouve pour l'épisode suivant. Et donc normalement je ferai du prototype sur ma chaîne, vous allez voir, c'est assez comique ce que je propose comme projet. Et puis ben écoutez les gars, on s'en va sur ce magnifique paysage d'un château là-bas, une cité. Et puis écoutez, bah salut bye les gars, portez-vous bien et à la vidéo suivante. Tchuss.